ainsi que simple patrouille de surveillance accompagnée d'agents de la protection de la faune du bureau de Granby s'est vite transformée en opération de sauvetage pour un coyote mal en point dans un boisé de la rue Simon Sud le 16 novembre dernier. Sur place, les agents de la faune ont découvert 300 de Virginie piégés mortellement dans des collets apposés dans un boisé situé non loin de l'école secondaire J.H. Leclerc. Face au coyote toujours vivant, les agents de la faune sont intervenus pour le sortir de sa fâcheuse position. Après un premier tir infructueux, une seconde fléchette immobilisante a été nécessaire pour neutraliser la bête. Bon, là, ça va faire effet. Oh, je vais entendre un minute, deux minutes. Non. Sous l'effet du sédatif, l'animal a été libéré par les agents. Légèrement blessé, la coyote a pris ensuite la poudre d'escampette. Ouais, on va à la bouffe, ah ouais, bon. Ça vient de même. Il est fort.